أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله يا فخير يدمون دعاء لك سلامه كي ملاك أمه المريضة اللهم اشفيها بشفائك وعافيها بعافيتك وداويها بدوائك اللهم عجلها بالشفاء اللهم عجلها بالفرج ونجها من الضيق والحرج واشفي جميع مرضى المسلمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة الكرام لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن التوبة النصوح وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله لما عرف التوبة قال التوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا يقصد بهذا الكلام أن التائب الحق هو الذي يتوب بقلبه ويتوب بجوارحه فإذا تاب العبد بجوارحه ولم يتب قلبه عاد إلى الذنب وعاد إلى المعصية وإذا تاب بقلبه وبجوارحه يستقيم على طريق التوبة ويستقيم على طريق الطاعة فلذلك بدأنا بالحديث عن ذنوب ومعاصي القلوب وقلنا أن أول ذنب ارتكب في حق الله عز وجل وعصي به الله عز وجل هو الكبر والتكبر Inch'Allah, mes frères, toujours on parle sur le repentir sincère. Et il faut savoir qu'un imam qui s'appelle Imam Ibn al-Qayyim, quand il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le repentir sincère, il nous a dit le repentir sincère, c'est le fait de faire un repentir avec le cœur et avec le corps. Si le musulman, il fait un repentir avec son corps et il oublie son cœur, il va retomber dans le péché et il ne va jamais faire un repentir sincère. C'est pour cela, pour réussir ton repentir et pour faire un repentir véridique et sincère, il faut le cœur, il faut nettoyer le cœur d'abord, il faut faire un repentir avec le cœur et après tu fais le repentir avec ton corps. C'est pour cela qu'on a commencé de parler sur les péchés du cœur. Il y a des péchés qui sont catastrophiques et qu'on fait avec le cœur. Et le premier péché qui était commis auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est l'orgueil. Ce péché et cette maladie qui touche le cœur et qui est fatale. C'est une maladie fatale. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a parlé de l'orgueil, il nous a dit, si l'être humain il a un atome d'orgueil dans son cœur, c'est interdit pour lui de rentrer au paradis. Un atome, ça veut dire une chose très très minime. S'il est dans ton cœur de cette maladie, alors là, le paradis sera interdit pour toi. Et on a raconté l'histoire de Iblis avec Adam. Il a refusé de prosterner pour Adam. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « je suis mieux que lui ». Et on a raconté l'histoire de Héracle, Hercus, ce roi romain qui a connu la vérité. Il était prêt à embrasser l'islam, mais qui l'a empêché d'embrasser l'islam, c'est l'orgueil et le fait de garder le pouvoir. Même quand il a fait le dialogue avec Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit « Wallah, il a dit si j'ai l'occasion de se rencontrer avec cet homme, je vais laver ses pieds. Je vais laver. » Et il a dit ça devant les Arabes, Abu Sufyan et les Arabes qui étaient avec lui, et devant aussi ses ministres, devant ses conseillers, devant les gens de religion qui étaient présents dans son palais. Et après, il a appelé ses ministres, il a appelé les grands chefs avec lui d'embrasser l'islam. Quand ils ont refusé,
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vous ai testé seulement. Je vous ai testé seulement pour voir est-ce que vous allez abandonner et délaisser votre religion ou bien vous allez s'attacher à votre religion. Et l'orgueil, il l'a empêché d'embrasser l'islam. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va donner une autre histoire d'un homme qui s'appelle Abu Jahl. Abu Jahl, il est connu, c'est parmi les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl, huwa min Quraysh, de la tribu de Quraysh. هذا الرجل قبل أن يسميه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل كان يدعى أبا الحكم. Son nom avant, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui lui a donné le nom de Abu Jahl. Abu Jahl, on peut dire le père des ignorants. Le père des ignorants. Ça veut dire c'est un ignorant qui, et c'est le prophète qui lui a donné ce nom. Avant, il avait un joli nom. Abel Hakam, le père des sages, le père des sages. Mais quand il a refusé d'embrasser l'islam, et il a vraiment attaqué le prophète, il a attaqué les musulmans, il a agressé, il a torturé les croyants, le prophète, il lui a donné ce nom, Aba Jahl, le père des ignorants. Alors, cet homme-là, Araf al-Haqq, il a découvert la vérité et il a refusé de suivre. Et cet homme-là, c'est le premier homme qui a tué une croyante en islam. Une croyante qui s'appelle Soumaya, radiyallahu anha, la mère de Ammar ibn Yasir, c'est lui qui l'a tué. Abu Jahl, c'est lui qui a tué cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme a refusé de délaisser la religion musulmane, la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hada Aba Jahl, lamma bada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bid da'wah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à propager cette religion. Abu Jahl, il a rassemblé les responsables de Mecca, les grands chefs des tribus, pour attaquer et pour bloquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais un jour, le prophète alayhi salat wa salam, il faisait la prière de nuit. Depuis le début de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière de nuit. Allah ta'ala yaqulu lahu ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalila. La prière de nuit pour le prophète, c'est une obligation pour lui. Sur sa communauté, c'est un acte surérogatoire seulement. Mais sur le prophète, c'est un acte obligatoire. Il faut savoir qu'après le verset Iqra, le premier verset qui était révélé sur le prophète, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq, le deuxième qui était révélé, surat al-Muzammil, ya ayyuha al-Muzammil, qum al-layla illa qalila. Fais la prière de nuit, comme ça, tu seras prêt à patienter et à supporter l'injustice et le mal qui t'attend quand tu vas présenter cette religion et tu vas appeler les gens à adorer un seul Dieu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière nocturne et il lit le Coran à haute voix. Il lit le Coran. Il y avait Abu Jahl et d'autres Arabes qui n'étaient pas musulmans. Pendant la nuit, ils vont partir à côté de la maison du prophète pour écouter le Coran. Ce n'est pas des musulmans, c'est des associateurs. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il lisait le Coran, et le Coran, il était révélé par la langue arabe, et eux étaient des arabes, ils savaient la poésie arabe, la beauté de cette poésie arabe, ils sont en train d'écouter le Coran, ils ont dit, ça c'est bizarre, c'est pas de la poésie. Il a ramené des paroles, il a ramené une manière de lire, et de des mots, des phrases, des termes. Ils n'ont jamais connu ces termes-là, ils n'ont jamais écouté ces mots, c'était nouveau pour ces gens-là. Alors chaque nuit, ils vont partir pour écouter. « Kulla layla yadhabun wa yastami'una lil-Qur'an wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la ya'rif » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est chez lui, il ne sait pas qu'il y a Abu Jahl et d'autres personnes avec lui qui sont en train d'écouter. « Walakin Abu Jahl »
il part en cachette tout seul et les autres ils vont partir en cachette. Ça veut dire même Abu Jahl et les autres, personne ne sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Fa'ida bazar al-fajr, quand c'est bon, c'est l'aube, il commence la lumière du matin à apparaître, ils vont partir. Fa'fissoga, ils se rencontrent. Les trois, ils vont se rencontrer. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là? Et toi aussi, qu'est-ce que tu fais là? On vient pour écouter qu'est-ce qu'il dit Muhammad. C'est bon, on va donner la promesse entre nous de jamais revenir là pour écouter. Toi, tu nous dis, il ne faut pas le suivre, il faut l'attaquer, c'est un sorcier, c'est un poète, c'est quelqu'un qui est fou, il est possédé, et maintenant tu viens écouter, alors on se donne la promesse, on ne va jamais revenir. Le lendemain, la nuit prochaine, ils vont se retrouver, parce que le Coran, il attire. Il les a attirés, ils ont écouté des nouveaux termes. Et le prophète, imaginez le Coran qui est, nous quand des fois on écoute le Coran, qui est récité par un bon récitateur, qui a une belle voix, on est attiré. Ça t'attire. Imagine, ça sort de la bouche du prophète. On ne peut pas comparer la récitation du prophète à un récitateur. C'est impossible. Jamais tu pourras. Pourquoi ? Parce que déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu il l'a créé, c'est un homme qui est parfait. Parfait, c'est pas dans son comportement seulement, non. Parfait, même dans son apparence, même dans sa voix. Il lui a donné la meilleure voix. Parce que il faut savoir que les prophètes, Allah Ta'ala, quand il choisit un prophète, il choisit un prophète qui est un bon orateur. Quand il parle, il maîtrise la langue et il parle et ses paroles ils sont claires. Ça veut dire quand il te parle le prophète sallam, tu ne vas pas dire « Ah, qu'est-ce que tu as dit, j'ai pas compris. » Non, tu comprends. Si tu comprends l'arabe, « Tafham kullama qalahu an-nabi sallam » Tu n'es pas obligé de lui dire « Répète. » Non. Il parle une seule fois et il va vraiment t'expliquer et les phrases, les paroles ils sont claires. Il y a un verset coranique qui parle sur Moussa alayhi salam. Et là, moi je dis que tous les prophètes sont forts et sont des bons orateurs. Mais Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit à son frère? Qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Qala wa Harun afsahu minni lisanan. Qala rabbi yassir li ashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan من لساني يفقه قولي يفهم قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي في رواية في آية أخرى وهارون أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني. Ça veut dire il a demandé le soutien de son frère. Il dit ya Allah, mon frère Harun il est orateur mieux que moi. أفصح مني لسانا. هنا العلماء ils ont dit, est-ce que ça veut dire Moussa alayhi salam, il bégait dans ses paroles? Il ne sait pas parler? Allô, non. Moussa alayhi salam, il parle mieux que Harun. Alors pourquoi il a demandé? Ils ont dit, il a demandé pourquoi? Parce que lui, il s'est absenté 10 ans de l'Égypte. Il est parti dans un autre village, Médine. Et en Égypte, il y avait des mots et des termes qui étaient utilisés, lui, il a oublié. C'est comme maintenant, quelqu'un qui est venu, par exemple, du Maroc, ou bien en Algérie, ou bien voilà, il va passer là 10 ans, voilà, il y a des termes que, si tu ne parles pas avec des gens qui connaissent cette langue-là, tu vas oublier certains termes, certaines phrases, ça veut dire même si tu prononces, tu essayes de prononcer, tu vas mal la prononcer. C'est pas comme les gens de ce village-là. Alors Harun, il s'est pas déplacé, il est resté en Égypte. Ça veut dire Harun, il maîtrisait mieux la langue des Égyptiens, dire l'Aqbat. Il maîtrisait bien parce que Moussa alayhi salam, il va faire un débat entre lui et Pharaon. Ça veut dire que tu dois maîtriser la langue de l'Aqbad, des pharaons. Tu dois bien la maîtriser.
Et Moussa alayhi salam, il a grandi dans son palais. Ça veut dire qu'il maîtrise cette langue. Mais les 10 ans qu'il a passé à Midian, il y a d'autres termes, d'autres mots, et notre accent. Alors, il a un peu oublié les termes. Alors, il a demandé le soutien de Haroun. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans les paroles de Moussa alayhi salam, ça veut dire lui, il va parler de son niveau. Alors, Haroun, il comprend, il essaie de traduire. C'est comme un traducteur qui va vraiment descendre le niveau de Moussa alayhi salam pour certaines personnes qui ne connaissent pas ou bien qui maîtrisent la langue des Égyptiens. Falidalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un bon orateur. Alors imaginez, il récite le Coran, il attire les cœurs même des associateurs. Deuxième nuit, ils vont se rencontrer là-bas. Après, ils vont se donner la promesse, on ne va jamais revenir. Troisième nuit, ils vont se rencontrer là-bas. Là, les deux hommes qui étaient avec Abu Jahl, ils l'ont posé la question, dirait, « Qalu ya Abu Jahl, tu vas nous dire la vérité. Est-ce que Muhammad c'est un prophète ou pas? Qu'est-ce que tu penses ?»« Qala wallahi, innahu la rasul, c'est un prophète. »« Wallah, lui, c'est pas un menteur, c'est pas un sorcier, c'est un prophète. » Alors, qu'est-ce qu'on attend de le suivre? Pourquoi on ne le suit pas? Limada lan tabi'u. Alors écoutez, la Bada sayaqulu Abu Jahl. Qala Abu Jahl, innana nahnu min qabilati Abi Zuhrah. Nous, notre tribu, il parle de sa tribu, qabilat Bani Zuhrah. Bani Zuhrah, il s'appelle. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min qabilati Bani Abdi Manaf. Sa tribu s'appelle Qabilat Bani Abdi Manaf et nous Qabilat Bani Zuhra. Les deux tribus ont été égaux. Eux, des fois, ils nourrissent les pèlerins, nous aussi, on nourrit les pèlerins. Eux, ils s'occupaient beaucoup, ils prenaient soin de la maison d'Allah, nous aussi, on prend soin de la maison d'Allah. Eux, ils accueillent les pèlerins. Nous aussi, on accueille les pèlerins. Ça veut dire qu'on est arrivé et on est au même niveau. Kunna kafara sayrihan. C'est comme avec les deux chevaux à la fin qui font la course. Les deux chevaux, ils sont, c'est bon, à la fin. Là, on est comme deux chevaux qui arrivent à la fin. Alors là, eux, ils ont dit, il y a un homme parmi nous qui est prophète. Et qu'est-ce qu'il dit ce prophète? Il dit, je suis le dernier prophète. Ça veut dire, on n'a pas la chance d'avoir un prophète pour garder l'égalité avec cette tribu. Alors si je reconnais qu'il est prophète, ça veut dire sa tribu, elle est mieux que ma tribu. Et jamais je vais reconnaître ça. Et jamais sa tribu, il sera mieux que ma tribu. Regardez l'orgueil qui l'a empêché de reconnaître la vérité et de suivre la vérité. Qu'est-ce que je vais dire à ma tribu? Qu'est-ce que je vais dire devant les Arabes? Si je reconnais qu'il est prophète, alors ils vont dire la tribu de Muhammad, la tribu de Abdou Manaf, elle est mieux que la tribu de Bani Zuhra, la tribu de Abu Jahl. Alors je ne peux pas reconnaître. Et c'est ça le professeur Smith nous a dit. L'orgueil, c'est quoi? C'est refuser la vérité et mépriser les gens. Alors, il sait la vérité. Il a connu la vérité et il n'a pas suivi la vérité. Dans le combat de Badr, Abu Jahl sera tué par deux jeunes de Médine. Ils vont l'attaquer et il sera tué. Il arrive à Abdullah ibn Mas'ud, il voit Abu Jahl par terre, blessé partout. Mais il était encore vivant. Il s'est assis sur sa poitrine. Abdullah ibn Mas'ud. Il a sorti son épée pour tuer Abu Jahl. Regardez l'orgueil de Abu Jahl. Il lui a dit, attends, ya ruwai'i al-ghanam, toi, t'es qu'un petit berger de moutons. Tu veux faire quoi? Là, il est à la fin de sa vie. Qala la, je vais te tuer. Le nom, si tu veux me tuer, utilise mon arme. N'utilise pas ton arme. Tu veux me tuer, utilise mon arme, car mon arme
il a la valeur plus que ton âme. Toi, t'es qu'un petit. Là, à la fin, normalement, dans cette situation, il doit supplier. Il demande, hein, il demande la miséricorde. Il demande le pardon. Non. Quand il a vu que. Hada, c'est qui? C'est un petit berger de mouton. Parce qu'il l'a torturé, Abu Jahl, il a torturé Abdullah ibn Mas'ud. Il l'a massacré, il l'a tapé. Là, il a trouvé l'occasion, Abdullah ibn Mas'ud. L'autre, il était par terre. Il lui a dit, non, n'utilise pas ton arme. Si tu veux me tuer, utilise mon arme. Car mon arme, elle est mieux que ton arme. Et ton arme, toi, t'es qu'un petit berger de mouton. Subhanallah. Un orgueilleux, il garde cette maladie jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire jusqu'à la fin de sa vie, il refuse de suivre la vérité et de suivre la lumière d'Allah Azza wa Jal. Falidalik, pourquoi on a parlé de cette maladie? Si le musulman, il n'arrive pas à faire un repentir de cette maladie et à changer l'orgueil par la modestie, même si il fait un repentir sur d'autres péchés, et il va toujours garder cette maladie, et cette maladie il t'empêche de suivre la vérité jusqu'à la fin de ta vie. فَلِدَلِكْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ الْكِبْرِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنَ الْكِبْرِ اللَّهُمَّ امْلَأْ قُلُوبَنَا بِالتَّوَاضُعِ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا بِالرَّحْمَةِ وَامْلَأْ قُلُوبَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَبِالْإِيمَانِ وَبِالتَّقْوَى يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.